Ah ça y est, là ça commence à être chaud là. Là il y a la vraie musique. Schnell! Arbeit! On aurait pu utiliser des aéronefs mais les motos c'est vachement plus cool! Surtout c'est des motos avec des jetpacks! Et ouais! C'est quand même stylé! Les Galbadiens c'est quand même. Voilà! Oh, ouais, alors rentrez dedans! Tourne à droite! D'accord! Non, oui. Il met 10 aïe. Minutes à tourner quoi! Le vaisseau ennemi est tout proche, ça donne l'abgu, prenez garde! Faut protéger l'aile gauche bleue! On doit les empêcher d'entrer, préparez-vous, j'ai force zone! No racisme! Alors. bon, on avait dit. Selfie Lino. Voilà. Irvin Zell. Non, mais c'est bon. J'ai fini. Ouais, j'ai voilà. Fini. D'accord. Non, parce que en fait, Squall pourrait très bien être selfie. C'est dégueulasse! Alors qu'il est selfish. Pardon. Salut! Bonne nuit. À la prochaine fois! Hein. Ah, c'est bon, j'en ai marre! C'est pour ça qu'on tournait plus, gros. Il en a marre de mon humour, en fait. Ça suffit, quoi. Trop de. Voilà. Pense aux joueurs de jeuxvideo.fr. Jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com. Eh oui. C'est magnifique. Zidane. Bon. Bonus. Ah, c'est les bonus, voilà, c'est bonus vigueur. Ah non, ça c'est permanent. Eh oui. Bam. Et, mais que faites-vous? Bam. Je mets des mais bonus. Pourquoi? Rien à foutre. Mais tu les as gâchés? Ah oui. J'ai déjà dit, c'est ma partie, c'est moi qui joue. Toi tu regardes non, et tu là, rigoles. Ah oui. Allez vite, ils sont juste devant. LOL. XPTD. Ah oui, au fait. XD. Binois. Tiens, tire sur mon doigt. C'est dans la poche. Ah non, là c'est dans ta main. Squall me l'a donné. J'en ferai une copie pour toi. D'ici là, tu peux la garder. Comme ça, tu pourras faire une copie à ma place. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, je vais juste demander la bague. T'inquiète pas, je suis un gangster. J'avais un flingue et tout. Je dis, vas-y, donne-moi ta bague, mec-ton. Elle est belle, mais un peu grande pour moi. Ouais, un peu comme ma bite. Allez, ami du Cid. Non, allez, ami du Cid. On y va. À l'aventure, compagnon. Dans ma tête. Ah ouais, mais en fait, c'est un putain de pute. Ah non, mais... La bague. Lance-moi la bague, Binoa. Oh, le t-shirt. Ah ouais, d'accord. Brrr. Ah mais j'avais pas vu que t'avais des mèches. C'est un truc de biatch, ça. Bon sang, impossible de l'atteindre, à moins d'être Monsieur Fantastique. Red Richards, comme on dit. Comment la remonter de là? Je sais pas, si t'avais genre deux bâtons accrochés avec une chaîne, peut-être que tu pourrais lui lancer. Accroche-toi, Lina, on va revenir. Bouge pas, surtout. Hein. T'inquiète pas, tout va bien se passer. On arrive dans 5 minutes. C'est des minutes, Namek. Non, pas l'arbre, pas l'arbre, pas l'arbre. Ouf. Un arbre tout neuf. Ah non, c'est moi qui l'ai planté. Bon sang, y'a rien d'utile ici, putain. Selfie, t'es de merde. Mais j'ai rien fait, moi. Oh mon dieu. Oh, des gardes verts. Alors eux, alors c'est la tenue de base de Link, ça. Donc ça n'a rien, ça n'a pas de bonus. Selon okay. Dans certains Zelda, tu peux avoir des couleurs, des tenues de couleurs différentes et là, t'as des bonus et tout. Oui, mais ce jeu, c'est comme Mario. C'est pas comme c'est Zelda. Pas comme Zelda. C'est vrai. Ah, oh, Zali. Zali est obligé de fermer sa gueule. Aïe. Et il est encore obligé d'ailleurs. Non. Oh bah non. Voilà. Non, il a G-Force, magie, voler, tout ça. Excusez-le, il est confus. Hein. Ah oui. Oh putain. Il avait des gros mollets. Il a des gros mollets. Oh non, mais pas sur. Pas sur selfie. Ah bah non, c'est bon, il est con. Oh putain. Il est con. C'est un garde de Metal Gear Solid, ça va.
c'est beau quand même. Un monde qui joue. Il est soldat dans Metal Gear Solid et garde dans Assassin's Creed. Il a tout pour plaire. Ah, si seulement on pouvait implémenter les édolons de FF15 dans FF8 juste pour le style. Bon, c'est toujours les bruitages de Phoenix, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Ah bon ? Voilà, oui. Salut ! Ah bah pas salut. Mais décède ! Oh putain, un psycho crash. De se péter les mains à chaque fois, Zelle. Ah bon, je pète des robots à main nue, j'en ai rien à branler, moi. Mon corps est une arme. C'est ça. Sur tous mes points, demande à ta femme. Non, ça peut être interprété tellement de façons différentes. Ah bah voilà. Mais aïe! Laisse-moi faire ma limite break, enculé. Wally. Non, je peux pas. MCA. Caché. Ah bah non. Comment tu fais pour passer maintenant? Vous ne passerez pas. Easy. Joujoubou. Joujoubou de ce cas. Oui. Oui. Pa. Et regardez pas ma culotte. Ah mais en plus ça a soigné Zelda de son mutisme. Ouais c'est craqué. Mais oui c'est pour ça que je t'ai dit faut jouer avec elle. Oui mais les... le problème c'est que voilà tu peux faire 10 tours de 10 tours de roulette sans me trouver. Et un peu fouette. J'ai pas foi en selfie moi. Elle se bague des nunchaku. Jamais j'aurais foi en selfie. C'est une meuf en avec une jupe salopette qui se bague des nunchaku et des bottes de cowboy. Oui, et ben Linoa, elle se bat avec un ptérodactyle. C'est pas faux. Enfin, avec un... Oh, un boomerang, les... en fait. Oui, c'est boomerang. Un boomerang. C'est dégueulasse. C'est une Beyblade. Ouais. Une Beyblade. C'est tellement une Beyblade. Bon, ça va, stockage. Stockage qui sera repris, d'ailleurs, dans FF9. Tout à fait. Et dans FF10 aussi, d'ailleurs. Les GeForce peuvent le faire. Enfin, les invocations peuvent le faire. Les chimères, enfin, putain. Quand c'est cool, il a changé de nom à tous les épisodes. Ah ouais. Faut pas dire des invoques. Eh, tiens, c'est là. C'est bizarre, il a pas plus d'affinité que ça avec Sephir. Zelle ? Ouais. Ah, mais c'est parce que c'est pas Zelle qui a pas dit. Zelle, il a une grosse affinité avec Sephir de base. Oui. Oh, c'est quoi ce bordel? Une murène. Oh. Ah mais c'est les voisins qui commencent à gueuler aussi. Ah ouais. Quelle idée aussi, ils ont plus quoi, on est dimanche. Ah, un peu... un peu de respect. La dernière fois, dimanche à 18h, un mec qui perce du béton. Oh ouais. J'étais content. La base. La base. Ah ouais. Pendant 3h. J'étais content. Moi je le fais à 22. J'aime bien, c'est mon kiff. Ah, c'est, l'avantage de Léviathan, c'est qu'il peut virer du combat des ennemis aussi. Vachement bien foutu, jamais. Culotte. Tu joues à Twister avec moi. Mets ton pied gauche sur le rouge. Non, ça, c'est bleu. Et ta main droite dans mon cul. Perso, j'ai jamais joué à Twister. En fait, c'est un peu comme une grosse cornemuse, cette invocation, cette GeForce. C'est vrai. Et ça, c'est beau. Un de ces jours, je ferai FF6 en live. Comme ça, ça me permettra de le finir. Ouais, mais tu veux le finir 100% ou... Oh, non, déjà, voilà. Je le finir. Les créas magie. Créas magie de où? Créa magie balle, créa magie. Ah oui, mais on en a déjà plein ça. Terre, thérapeutique. Parce que grâce aux objets que le chocobo nous apporte, on peut avoir des trucs comme ça.
DMT, ah non, mais ça, c'est créé à magie, mais en fait, non, ça crée des objets. Oui, c'est mal traduit, mais. Des méga potions. Et donc là, il crée à balle. Voilà, donc on a déjà quelques balles. En fait, c'est bien, c'est que le chocobo nous enfile des balles aussi, donc à la limite. Ouais. Des balles tornades. Une chevrotine, 40 balles tornades. On va en faire une. Tant qu'à faire. Voilà, ah balle foot. Les dark balls. Ouais, c'est quand t'es trop dark. Exactement. Des balles pulsar. Alors, les balles voilà. Pulsar, alors ça... on en aura besoin, mais pour la dernière arme de Squall, en fait. Parce qu'il en faut 6, je crois, ou 12, je ne sais plus. Et c'est genre hyper rare. Donc, comment on va en faire là, paf. Oh mon dieu, ah, j'en ai 14 prend... déjà. C'est pété. On range. Alors, je suis désolé, hein, dans les menus, c'est toujours un peu chiant. Mais bon, c'est un RPG, quoi. Ouais, mais bon, il y a des mecs qui speedrun, et ben le menuing, il est vachement plus rapide. Mais du coup, t'as pas les explications. Si. Bah non. Si. Bah non, c'est si tu vois pas ce qu'il y a dans le menu, tu ça sert à rien. Si, tu devines. Et alors là, j'ai fait ça pour faire ça, parce que ça... Voilà, comme ça, en fait, j'ai skippé 4 boss. Mais vous l'avez pas vu, parce que ça allait trop vite. Ça va trop vite. Squall, ils arrivent par l'entrée principale. Un peu comme ma bite. Montre-moi où est l'entrée principale. Sur la carte. Bien joué. Squall, aide-nous, Lina est en danger. Elle va tomber dans le vide, lol. Quelle panique. Quoi? Lina, l'ennemi attaque la salle de classe. Il faut protéger les collégiens qui s'y trouvent. À vite. Faites chier. T'as entendu? Non, mais se déplace. Putain, mais... Oui, mais Lina n'est pas la seule à risquer sa peau. Bah, Squall, trouvez nos pierres à la place du col ou. Qu'est-ce qui est. Qu'est-ce que c'est? Elle va mourir. Qu'est-ce que c'est? On va se séparer en trois, chacun. Qui vais-je prendre? Alors, bon, là, c'est chiant. Moi, je voulais prendre Zelle, mais on peut pas. Donc, là, on avait Selfie. Ouais. Ok, donc Zelle, on va lui laisser ses G-Force. Irvine, va avec Chou. Je suis là. Ah, y'a dans le pécho. Ok. Oh. Quistis, Selfie, et viardez, on va aider les gosses dans la salle de classe bleue. Zelle, occupe-toi de Linoa. Mais c'est-à-dire que... Débrouille-toi, c'est tout. Pauvre de moi. Oh mon jour, j'étais caché. Montre-moi le vaisseau sur l'écran. Oh putain, elle est vachement près quand même. Elle est vachement bien foutue cette carte interactive. Bien joué. Alors, il y a envie de qui bouge pas. Oui, non, il y a envie de s'en fout. Il reste avec Chou. On lui a dit tu restes avec Chou, il reste avec Chou. Est-ce que c'est la même musique que à Balamba? Oui, c'est The Land Dans Ding. Les... Zelle Squall. Zelle Squall. Donc Quistis, Linoa. Ouais. Ah, okay. Squall, je sais que t'es occupé, mais je t'envoie un message, mais tu peux pas le voir s'il y a un combat. Oh non, non, ils sont chiants. Vise les yeux. Exact. Merci, Quistis. Bien fait de venir. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Je fais du mieux que je peux. Là, tu tapes comme Aeris. Bon, alors on va faire un petit Nosferatu. Hein. De toute façon, il y aura forcément un moment dans le jeu où on s'arrêtera et où on redistribuera les G-Force de façon cohérente. Oui. Ce sera long et chiant. Mais ça par, sera rapport à par rapport à l'affinité en. Oh, et par rapport aux skills aussi. Surtout par rapport aux skills. Parce que les affinités, tu peux les modifier avec les objets. Donc... Ouais, mais bon. Vu ce que le Chocobo nous ramène. Ça peut aller vite, ça peut aller très très vite. Ça va vite, hashtag ça va vite. Nosferatu qui est dans FF Type 0, j'ai été très content de le voir sur les artworks. Il est quasiment pareil. Ils ont juste rajouté, je crois, des spalières dorées. Et une manucure. Et il y a Alexander aussi d'ailleurs. Ah, il y a le Flash. Il y a le même skin aussi dans FF8.
Genre gros château. Oui, château robot, ouais. Château robot, mais qu'on voit des missiles. C'est un peu. C'est un Megazord. Un Megazord. Aïe! Et il tire que sur Squall. Il doit pas aimer le rouge. Le rouge? C'était une blague. Je suis content que t'aies réagi. Ah bah non. Quissy, c'est l'emprunt aussi. Ouais. L'inutilité. C'est comme ça qu'on fait. Qu'est-ce que c'est? Ennemi dans une attaque aérienne, rejoignez la classe du premier étage. Bleu. Bleu. Accélère. Parle à ses pieds en fait. Accélère, putain. C'est dommage qu'il n'y ait pas un escalier de service pour aller plus vite. On aime tellement les escaliers dans les FF. Oui, et les échelles. Surtout les escaliers. Rappelons-nous du bâtiment Shinra. Oui. Alors par contre, il va falloir se préparer un petit peu parce que le combat il va être chiant. Donc des potions. Voilà. Oh, Christis, putain. Oui, je mets des méga des hyper potions, j'en ai rien à prendre. Le riche. G-force peut-être. Non, capacité. Non, si G-force. Et d'ailleurs, il y a des G-force, va falloir leur dire apprenez ça quoi. Oui, oui bonjour la chaise. La chaise, elle fait le bruit d'une d'une gaste quand même. C'est bizarre. Oui. Alors. Non, le. Ah oui, prends-moi la vigueur. Mad Rush. Bon, Mad Rush, on balance de l'argent, je crois. Ouais, c'est nul. Donc, on peut pas trop vendre des éthers dans celui-là, donc. On va se calmer. Amorce, contre-attaque immédiate. Ça peut être rigolo, mais chiant. On va essayer la... comme ça pour l'instant, HP de la G-Force. Non, la défense mentale. Oui, chef. Mi-combat, très bien. Donc on a pillé avec lui, hein, pillé qui est ouais, extrêmement utile. Ok, sur qui Quistis. Merde, c'est comment ces situations c'est associé. Ah, c'est déjà c'est compliqué, FF8, quand on n'a pas joué depuis longtemps. À la place de magie. Ah non, c'est dans les. C'est ici. À la place de défense. Ouais. Tu as la meilleure défense. Voilà, c'est l'attaque. Quand on va attaquer, en fait, alors ça remplace pas voler, parce que voler ne sert pas à voler dans FF8. Ça remplace attaquer, et du coup, chaque fois qu'on va attaquer, on va voler des objets qu'on ne peut pas avoir en principe normalement. Parce qu'ils sont les, tout ce qui est bonus défense, bonus machin, qui rajoute un point au stat. Principalement les trucs comme ça, souvent qu'on va avoir. Ah ouais? Il va y avoir le passage trop chiant avec le oui, robot. Mais en fait, il y a un truc à faire pour finir ça assez facilement. Ah ouais. Mais ça demande du skill. Et en fait, si tu contres 4 fois, tu peux lui enlever quasiment 80% de sa vie en un coup. Je suis force verte. Faut bloquer 4 fois. Ou 3 fois ou 2 fois, je sais plus. C'est bon, t'as joué à Assassin's Creed, les blocages. Ouais, mais là, c'est le timing Assassin's Creed Unity. C'est vachement plus chiant. Ah, puis en plus, c'est, eux, c'est les verts, c'est ceux qui font mutisme. Yala c'est nos amis. Oh non, pas Tyrion. Et ils sont 4, je crois. Ah, ils sont gentils, ils ont poussé les meubles. Suivez les instructions, rasez l'abgu. Et ils délirent ou quoi? Perdez rien pour attendre, morveux. Ta gueule. Philippe. Aïe. Oui. Non mais vas-y, mettez Squall en limite, c'est pas grave. Il y avait Ayuri. Je m'en doutais que t'allais la faire. C'est honteux, monsieur Torres. Aïe. Bon ça va, ils sont gentils, ils font pas mutisme encore. Ils ont un peu de défense magique quand même. Aïe. La G-Force. Oh non, pas Somni. Oh. Hashtag ça va pas vite. Ah non, pas Fazi. Oh, faut casser les couilles. Mais pourquoi tu les pètes pas
Dégâts physiques, direct. Mais parce que Quistis elle met 77. Et alors, un focal pille. Non mais surtout si à la limite si je peux en péter deux, c'est bien parce qu'ils sont chiants. Comme ils sont 4, on attaque jamais. Oh, ça cogne un peu quand même. Un remède, merci. Ah oui, ça cogne. C'est pour ça que j'envoie des G-Force. Parce qu'ils sont 4. On va leur balancer. On va essayer de leur déclencher un infarctus. Oh mon dieu, c'est super poulet. Mais oui, c'est moi. Je suis un poulet Maya. C'est-à-dire qu'en fait, il peut être jouable que jusqu'au 21 décembre 2012. Voilà. De toute façon, ils avaient des remèdes à voler. Alors... Merci bien. Douze points de connard. Voilà, magie médicinale, mi-combat, parfait. On va pas s'en servir parce que notre niveau de seed risque de baisser. Mais c'est quand même hyper important parce que ça va nous permettre d'avoir nos combats qui seront utiles après. Quand on farmera des vrais G-Force casse-couilles. Donc, G-Force. Déjà Nosferatu tout de suite. Et on dîne après, je crois. Bam, nos combats. Donc là, c'était 50% de combat aléatoire. Là, c'est zéro. Zéro, c'est la tête à Toto, c'est bien connu. Ah ouais. Non, ça devait être Ahuri. Ahuri. Non. Hein? Oui, c'est Ahuri, c'est ça. Non. Bah non. C'est bah non. C'est qui a appris créer la magie des couilles? Ondine. Ah, il est repassé sur celle qui était déjà... Bon, on va laisser ça parce que c'était déjà entamé, alors... Ouais, ou invocation plus 10%, ça pourrait commencer à faire des dégâts un peu. Ouais, mais Ondine, on s'en sert jamais. Ouais. On s'en sert jamais parce qu'elle est avec d'autres G-Force qui sont bien. Ouais. Genre Nosferatu, qui fait quasiment tout le temps des dégâts. Donc non, on va laisser ça. C'est quoi, c'est G-Force plus 20%? C'est les HP, donc ouais, t'aurais pu en créer magie anale. Ouais. Bon, c'est les objets soignants, mais bon... Ouais. C'est 30, c'est rapide. Et donc on a magie médicale. Ça c'est cool. Pourquoi je vais à droite à chaque fois? Voilà, on peut créer des zombies, des soins max. Un sindou, 20 soins max. Je suis un malade. Alors les rocs féeriques, voilà. Hein. Donc c'est comme ça que les persos deviennent craqués. Donc là on va mettre Aquistis du coup aussi. Voilà, 5, 1 en font 5, donc 20 en font 100, c'est rapide. Et si je suis muté ça s'entend pas. Donc je disais, eh ouais. Donc voilà, là tous les persos ils ont soin max. Voilà, Squad a déjà 100 zombies. Tu en profiteras aussi pour... putain, alors si on a des vies max à en coup aussi, c'est pas mal. Vous voyez un peu le délire avec le Chocobo World qui nous pète des objets de fou. Mm. On a des trucs comme le Rhône. 1 égale ouais. 50 soins max. Et donc, soins max, c'est génial pour booster les HP de... Oui, les points de vie notamment. Un point, c'est pas... Oui, mais les rocs d'aura, ça sert à rien. Les rocs, en fait, ça sert à faire une magie en fait en lançant un objet. Donc on peut les virer sans problème. Et donc je disais, refais tes associations de magie après. Oui, tu t'inquiète pas. Un pied de biche égale 100 blindages. Allez, bam. Voilà. Alors on gâche un peu là, parce qu'il y en avait déjà 4, mais on s'en fout. Non, on est avec Quistis aussi. Quistis qu'on a pas du coup. Ouais. Ezuna, anti-sort, Loch Ness, on va les garder, on en aura besoin. Euphurisant, 5 aura. Donc c'est à qui je les ai mis? Je les ai mis à Selfie. Ouais. On les remettra à Squall après, c'est pas grave. Alors pour l'instant, on va garder tout ça parce qu'on aura besoin de certains objets pour une G-Force. Et aussi pour crafter des armes. Donc on va des tout armes. Balancer. Refais l'association de magie. Je voulais parler à la dame. Après. Oui bah du coup oui. En attaque ouais. Je peux jouer tout seul monsieur.
J'ai le droit. Non. Parce que du coup, là, si je fais magie normale comme ça et que je prends les soins max, voilà. Par contre, je perds en vigueur. Et je peux quand même mettre ça en vigueur. Voilà, donc là, 3000. Vous voyez que ça peut vite être rigolo. A noter que je crois que le plus puissant pour augmenter les HP, ce sont les vies max. Il me semble aussi, oui. Si je fais défense, bam. Voilà. Elle est passée de genre de 800 points de vie à 3000. Ouais, par contre, en vigueur, elle a 26, quoi, donc... Oui, mais ça en fait après, enfin, voilà. Mais c'est parce qu'elle a pas beaucoup de magie, elle aussi. Hein. Mais on farmera plus tard les... Voilà, si je mets auto-attaque, admettons, elle va mettre simplement les soins max. Voilà. Bon, on va mettre comme ça, parce qu'elle a déjà... C'est plus intéressant. Ouais. C'est pas mal. Forcément, comme elle a peu de magie, elle met la magie qu'elle a le plus. Qui est le plus représentative. Enfin, représentée, on va dire. Tiens, elle a des ultimes, hein. Ben, grâce au chocobo. Ah oui. Donc du coup, soit on met les ultimas en HP, pour avoir beaucoup d'attaques, soit on met... Ouais. Voilà. Ouais. Ce qui est bien aussi. Sur la limite, c'est bien d'attaquer fort, mais si tu meurs en deux tours, bon. Donc, si tu tiens longtemps, tu as le temps de balancer une ou deux limites, des invocations, machin, donc à la limite, je préfère avoir des PV. Voilà. On craftera des potions, on achètera plus tard, on s'en fout, on a 37 000 gils. On va s'arranger. Bien joué, emmène-les dans un endroit sûr. Comme mon slip. À vos ordres. Ouais. Ok, on y va. Ah, le compteur de allons-y va pas augmenter beaucoup, là. Squall. Mais qui me parle? Squall, viens sur la plateforme de contrôle, le docteur Kadawaki. Et là, c'est la plateforme de contrôle bleue, n'oublie pas. Que vaut-elle? Je sais pas. Voir ton slip, sûrement. C'est pour te prendre l'attention que d'habite. J'adore qu'on prenne l'attention. Ah, et des queues de scène intermittentes. Ah, on se l'est pris dans le fion, celle-là. Et eux, ils bougent pas, par contre. Ça va, Tyrion? J'ai mal. Ça va aller, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, on s'est fait percuter, connasse. Sois lucide. Ah! L'Amgu n'a aucune chance. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il y avait tes connasses. T'es infirmière, connasse, et toi, hein. J'ai le tâche. Je rigole. Je plaisante, bien sûr. Aide-toi toi-même, et le ciel ne t'aidera pas. Professeur Yamazaki. À Bando. Ah non, on en est où là? Qu'est-ce que t'es? Nous avons bloqué les deux premières vagues d'assaillants. Mais nous sommes à bout de force. Si l'ennemi renouvelle l'assaut, nous ne pourrons pas résister. Et ton équipe, qu'est-ce que t'étais? J'étais pas. Non, Yamazaki, il n'y arrive pas à faire ton affaire. Nous sommes à l'entrée, résiste encore, mais. Voilà quoi. La situation m'inquiète. Qu'est-ce que t'es? Les Galbadiens ont plus d'expérience, je sais de quoi je parle. Nos soldats sont tout aussi des étudiants. Comme dit Squall, encore une attaque et nous sommes perdus. Toi le cul. Peut-être aurais-je dû privilégier l'attaque au lieu de la défense. Oh mon niveau Cid. Je vais encore perdre 1000 gils, putain. Taifer est à leur côté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Tu sais qu'il n'abandonnera pas, c'est ton destin de l'affronter. C'est ton destin!